Alors, renouvellement de notre gamme S-Max Woman pour notre consommatrice performeuse. Une gamme de 4 skis qui seront numérotés, le numéro 6, le numéro 8, le numéro 10 et le Blast, comme Chanel et ses parfums. Donc un ski léger qui a de l'accroche, qui est maniable. Léger grâce à un nouveau noyau bois qu'on a encapsulé du coup dans du composite pour gagner 760 grammes par rapport au précédent S-Max. Et sans perdre bien évidemment ses propriétés performance. On a une toute nouvelle technologie, l'Edge Amplifier SL. Donc on avait sorti en Fall Winter 18 cette technologie qui permettait de gagner en accroche. Et là on arrive avec du coup une nouvelle technologie Edge Amplifier SL. Donc l'Edge Amplifier en deux parties pour gagner du flex sous le pied et avoir un ski bien plus joueur pour faciliter les changements de rythme. Alors, toute nouvelle gamme pour les femmes sur piste avec l'arrivée de S-Force Woman pour la consommatrice sportive dynamique qui, elle, est moins traditionnelle que la consommatrice S-Max qui apporte moins d'importance à la perfection du mouvement mais qui, elle, est à la recherche d'un ski pour skier sur piste, quelles que soient les conditions. Donc, on arrive avec une gamme de 3 skis de 76 à 80 au patin avec bien évidemment toujours notre technologie Edge Amplifier mais la GS pour avoir un ski donc puissant et très stable avec des largeurs au patin de 76 à 80 au patin. Donc 3 skis beaucoup plus colorful que S-Max pour appeler la sportivité et le dynamisme. Un tout nouveau top sheet également qui apporte du contraste et un toucher hors norme. Voilà pour S-Force Woman. Alors notre gamme de ski pure piste homme avec S-Max qu'on a lancé en Fall Winter 18. On l'a revu cette année donc avec notre nouvelle technologie Edge Amplifier SL pour lui apporter plus de flex sous le pied et avoir un ski beaucoup plus joueur. On a revu également le design du ski, on a inséré du coup le logo S-Max pour lui apporter plus de dynamisme. On a également une structuration sur les champs pour la durabilité et on y apporte une nouvelle fixation M10-M11 avec un look très solide et qui permet surtout de faciliter le chaussage. On a besoin de plus de 22 kg pour chausser contre 45 sur les précédentes fixations. Alors sur Fall Winter 18, on est arrivé donc avec notre famille de chaussures on-piste homme S-Series avec les franchises S-Race, S-Max. Sur Fall Winter 19, on y a porté la S-Pro en 100 mm de last et on arrive sur 2021 avec une S-Pro HV high volume en 102 mm. Une toute nouvelle coque, toute nouvelle construction, d'accord. On s'est basé sur notre best-seller qui est la S-Pro. En y apposant donc le core frame qui est le châssis de la chaussure, un chausson seamless sans couture, un insert du coup TransiFit pour apporter du rebond et deux overlaps pour faciliter le chaussage. On a une gamme qui démarre à 80 de flex et qui monte jusqu'à 130, donc pour tous les niveaux, tous les gabarits. Alors voilà notre nouvelle franchise Freerando chaussures, la remplaçante donc de la QST Pro. Je vous présente la Shift Pro. Donc sur une construction traditionnelle, 4 crochets, on est parti sur le badcock de la S-Pro qui est le modèle best-seller chez nous en 100 mm de last. On y a apporté du coup un insert SensiFit pour faciliter le chaussage, un chausson seamless articulé. On a également le core frame, on a une chaussure custom shell HD et on retrouve le système de versatilité de marche que l'on a également sur MTN Lab et qui fonctionne très bien chez nous. Donc on a un produit à 600 €, 132 flex, on a décliné du coup en 120, en 100, en 90 avec un débattement de 48 degrés. Nouvelle histoire chez Salomon All Mountain Resort avec Stance. Donc Stance, histoire tout droit venue des US, de l'Amérique. Donc on a un ski sur une construction traditionnelle de géant, double lame de titanale. On a donc entrecoupé la dernière lame de titanale pour y apposer notre CFX au niveau du talon et de l'avant du ski. Donc CFX qui est le mélange de lin et carbone, le meilleur ratio amorti, légèreté, stabilité. Donc on a un vrai ski de charger, un outil à tout faire. On a 3 modèles chez l'homme, 90, 96 et 102 au patin. Full noyau bois, sandwich. Et on a 2 modèles femmes, 88 et 94.
sur lequel on retrouvera du coup un noyau Karoubac pour gagner en légèreté. Donc trois skis pour l'homme, voilà, des skis permettant de faire de la piste, les bords de piste, sauter quelques barres rocheuses, un vrai outil à tout faire pour se faire plaisir toute la journée, quelles que soient les conditions de neige sur le domaine.